Christophe Dugarry estime que José Mourinho est une très bonne piste pour le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de José Mourinho, le special one. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Si c'est fun de partir. Alors, Christophe Dugarry estime que José Mourinho est une bonne piste pour le PSG. Moi, je suis d'accord avec lui parce que Mourinho, c'est un mec qui a du caractère. Et pour diriger un vestiaire comme le PSG, il te faut un mec qui a du caractère. Donc, Mourinho, franchement, il a le profil pour moi idéal pour diriger le PSG. Après, côté sportif, côté jeu, on peut en discuter. Parce que son jeu, je n'aime pas trop son jeu, les gars. Je n'aime pas le jeu de Mourinho. C'est un jeu un peu défensif, etc. Mais si c'est pour mettre de l'ordre au PSG, pour moi, c'est un mec qui peut mettre de l'ordre. Un aimant qui part au casino, les choses comme ça, tu ne verras plus ça au PSG. Des joueurs qui ne sont pas motivés, les choses comme ça, tu ne verras plus ça au PSG. Donc, quand tu fais venir José Mourinho, tu sais à quoi t'attendre. C'est un mec qui a beaucoup de la personnalité. Maintenant, donc, il y a un souci. Est-ce que Mourinho est compatible avec les dirigeants du PSG? Parce qu'on sait que les dirigeants aiment bien quand les coachs sont à leur service. Au PSG, tu n'as pas les mains libres. C'est pour ça que Calhanoglu est parti. Au PSG, tu n'as pas les mains libres. Et Mourinho, c'est un mec qui n'aime pas quand tu lui imposes un truc. Il n'aime pas quand tu lui imposes un truc. Est-ce que ça va matcher entre Mourinho et Nasser? J'en doute très fort parce que Nasser, c'est un président qui aime quand les coachs se plient à lui et Mourinho, il aime faire ses propres choix. Donc, moi, je pense que Mourinho sera une très bonne piste. Après, donne-moi ton retour en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.